Connectivité des universités, Marien Gwabi et Denis Sassou Nguesso, mise en place d'un portail numérique des services publics aux citoyens pour le chef du gouvernement Anatole Korine-Makosso. On ne pourra pas parler de transformation de l'éducation si nous n'avons pas la connexion Internet à haut débit dans ce monde devenu non seulement planétaire, mais aussi et surtout numérique. Sans connectivité des universités, les étudiants ne peuvent pas avoir accès à l'Internet à haut débit, l'éducation à distance par exemple, les laboratoires virtuels, la recherche, tout cela ne peut se faire qu'avec le numérique. Et si les enfants n'ont pas accès au numérique, ils ne pourront pas avoir accès à une éducation de qualité. C'est pour cette raison que le ministère de l'Enseignement supérieur s'organise pour permettre, avec l'appui du ministère de l'économie numérique, à garantir la digitalisation de nos établissements universitaires. Vous avez vu qu'on a bien procédé à l'enregistrement biométrique des étudiants. Il a fallu l'Internet, il a fallu le numérique. Nous faisons ce que nous sommes en train de faire ici. Il faut bien qu'il y ait l'Internet, il faut qu'il y ait le numérique. Et ça, ça garantit aussi l'égalité des chances. Parce que les points Wi-Fi qui vont être placés ça et là donneront donc la possibilité aux étudiants, quelles que soient leurs conditions sociales, quelles que soient leurs capacités intellectuelles, d'avoir accès à l'Internet et donc d'avoir accès à la recherche, d'avoir accès à la formation. L'acte ainsi posé participe de l'engagement du gouvernement vers la transformation numérique du pays, a notamment souligné le chef du gouvernement.